La performance de Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a captivé ses admirateurs, mais a aussi généré une vague de questions sur son état de santé. D'après Closer, la chanteuse est confrontée aux difficultés liées à son syndrome de la personne raide, une maladie neurologique très peu commune. En dépit de sa performance remarquable lors de l'événement sportif, la diva québécoise a dû faire face à de nombreux défis. Pour protéger sa voix et son corps, elle a adopté une approche hybride, combinant des moments de chant avec des séquences où elle est assistée par d'autres artistes. Cette approche lui permet de concilier sa passion pour la scène avec les contraintes imposées par sa santé. Elle peut ainsi chanter un peu tout en s'entourant d'autres artistes pour offrir un spectacle à l'image de Céline Dion, explique une source proche au magazine Closer. Il est hors de question de surcharger son corps. Une source a révélé, en cas de crise ou d'absence, les autres artistes se chargeraient simplement de reprendre la relève individuellement.